Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on fait un épisode de mécanique de jeu 101 avec la mécanique de jeu système de points d'action. On retrouve cette mécanique principalement dans les jeux coopératifs. On a beaucoup de jeux coopératifs qui sont basés sur cette mécanique-là. C'est une mécanique qui donne un certain nombre de points d'action aux joueurs quand c'est leur tour de jeu. Ça peut être deux actions, trois actions, quatre actions. Et les joueurs peuvent dépenser ces actions-là comme bon leur semble. Euh, ils peuvent euh, dépenser une action pour, soit pour avancer leur personnage soit pour euh, faire des attaques soit pour aller fouiller, soit faire des échanges soit pour réaliser des objectifs aussi dans le jeu, plein d'actions qui sont disponibles, ce que ça donne mais ça donne une belle liberté aux joueurs de pouvoir choisir quest ce qu'ils peuvent faire à leur tour ils ne sont pas obligés, euh, exemple un jeu qui limiterait les joueurs, ils dirait tu, tu peux bouger d'une case puis après tu fais une attaque puis c'est ça ton tour, ça ne laisse pas beaucoup de variété puis de, de choix aux joueurs, tandis qu'un système de points Action, on va avoir plusieurs actions qui sont détaillées et le joueur va choisir comment il dépense ses points. On peut même avoir des actions qui peuvent coûter deux actions à faire, qui sont une action qui, qui est plus forte, qui est vraiment unique, spéciale et que le joueur peut décider de faire avec ses actions. Des exemples de jeux qu'on retrouve la mécanique de système de points d'action, on a ici Imperial Assault qui est un jeu tous contre un. On a un joueur qui joue l'Empire, d'autres joueurs qui jouent les rebelles. Les joueurs, quand ça va être à leur tour de jouer, vont avoir deux actions, vont les dépenser comme bon leur semble. Ils peuvent dépenser une action pour avancer, peuvent dépenser une action pour attaquer ou prendre leurs deux actions pour attaquer. Ils peuvent aller saboter un terminal, ouvrir une porte, Ils peuvent faire les habilités aussi qu'ils ont. Le Jedi pourrait utiliser des habilités avec la force. Alors, il y a plein de façons de dépenser leurs différents points d'action. Le joueur impérial, lui est limité dans ses actions. Il ne peut pas prendre deux actions pour attaquer. Il est obligé de faire, s'il fait une attaque, tu est obligé de prendre son autre point d'action pour faire autre chose pour que le jeu soit plus balancé. Par contre, certains, euh, certaines figurines vont avoir l'habileté de pouvoir attaquer deux fois pour les impériaux. Alors, les héros vont essayer de les détruire en premier. Ensuite, on a le jeu Blood Rage à côté, un jeu de vikings. Dans ce jeu-là, chaque joueur va être un contre les autres. Ce n'est pas un jeu coopératif. Chacun va jouer un clan de vikings et au début, les clans de vikings vont avoir 6 points de rage à dépenser. Les points de rage sont les points d'action en tant que tels. Avec les points d'action, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent envoyer des figurines sur le plateau, peuvent aller essayer de piller les villages, peuvent déplacer leurs figurines sur le plateau, peuvent activer des améliorations pour leur clan, leur. Leur guerrier, leur leader, ou acheter des monstres aussi avec leurs points d'action qui sont des points de rage. Ce qui est le fun dans Blood Rage, c'est qu'on peut augmenter notre capacité de points de rage. Ça veut dire qu'au prochain tour de jeu, on va avoir plus de points d'action à dépenser. Alors, ça peut être une bonne stratégie d'augmenter sa rage pour pouvoir faire plus de choses dans les tours suivants dans Blood Rage. En haut, on a le jeu Pandémie. On peut pas parler de système de points d'action sans mentionner Pandémie, qui est un des jeux qui a popularisé beaucoup ce style de mécanique-là. C'est un jeu coopératif, vous devez... Euh... OK, je le sais, j'ai la première édition de Pandémie et vraiment vieille. La boîte n'est pas super belle comparée à la nouvelle. Je sais que tout le monde l'a déjà vu, le pandémie. Tout le monde a déjà joué, donc euh, on va en profiter pour euh, montrer d'autres choses aujourd'hui. Donc, au lieu de parler de pandémie, on va parler de Dead Man Tells No Tell, qui est un jeu de pirates qui ressemble quand même beaucoup à Pandémie. Pour moi, c'est le jeu qui est venu remplacer Pandémie. J'ai encore ma vieille édition de Pandémie, mais je ne joue plus vraiment avec. J'ai joué à Pandémie Legacy, par contre, qui est quand même assez différent. Pour revenir à Dead Man Tells No Tell, euh, des mécaniques qui ressemblent à Pandémie, on a un mélange entre Pandémie et puis le jeu au feu. C'est un mélange de deux jeux coopératifs. À chacun des tours, les pirates vont avoir un certain nombre d'actions, peuvent marcher, se déplacer, ils peuvent courir, ils peuvent aller euh, éteindre des feux, ils peuvent aller euh, tuer des squelettes qui les qu empêchent de passer, ils peuvent aller chercher un coffre au trésor, essayer de le ramener en dehors. Euh, du bateau qui est en feu. Alors, les joueurs ont beaucoup d'actions à dépenser à leur tour. Ce qui est le fun dans euh, ce jeu, c'est que si vous ne dépensez pas toutes vos actions, vous pouvez les donner aux joueurs suivants. Chaque action que vous faites, est représenté par un petit jeton de pièces d'or. Quand vous faites vos actions, vous les tournez de côté. Ils sont du côté noir, comme ça vous perdez pas le compte des actions qui vous restent à faire. Chaque joueur a cinq actions. Et si exemple, je fais juste deux actions, je vais prendre mes trois pièces que j'ai pas utilisées, je vais les donner au joueur suivant. Le joueur suivant va avoir huit actions à son tour. Alors ça peut permettre de jouer avec les actions. On peut pas les économiser les actions qu'on nous donne, mais on peut les utiliser à notre tour pour faire plus d'actions. Alors c'est vraiment un côté le fun de pouvoir donner des actions aux autres. À ce le. Ensuite, le jeu Ghostbuster, qui est basé sur le, le film Ghostbuster, un, film, un de mes films favoris dans mon enfance. Vous incarnez vos légendaires Ghostbusters, donc Egan, Ray, Peter et Winston. Et vous allez chasser les fantômes dans différents scénarios. Le jeu, c'est un jeu qui a été lancé sur Kickstarter en 2015. La saison 2 vient d'arriver sur Kickstarter cette semaine la Semaine où je tourne cette vidéo-là, donc début euh, mi-avril environ. Vous allez, dépendamment du scénario, les objectifs peuvent aller, euh, peuvent être différents. Vous pouvez combattre un boss, vous pouvez combattre le, le, le bonhomme marshmallow, vous pouvez combattre Slimer, ou vous avez à fermer les différents portails qui laissent entrer les fantômes. On a différents types de fantômes sur le jeu. Les actions que vous pouvez faire, euh, vous pouvez attaquer avec votre, euh, votre arme à proton, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez euh, transférer les monstres capturés dans Ecto 1 pour euh, les renvoyer dans le monde des esprits, vous pouvez embarquer dans Ecto 1, vous pouvez conduire Ecto 1, vous pouvez enlever de la slime sur vos, euh, vos alliés parce que c'est plus facile de le faire sur les autres que de le faire sur nous-mêmes. Alors, plusieurs actions qu'on peut faire à notre tour pour Ghostbuster. Finalement, pour enseigner une mécanique de système de points d'action, je vous suggère un jeu qui est assez simple, un petit jeu coopératif, Forbidden Island. Dans Forbidden Island, vous essayez de trouver les quatre artefacts qui sont sur l'île avant qu'elle ne coule et vous devez vous en aller par la suite de l'île en hélicoptère. Dans ce jeu-là, chaque joueur aura trois actions au début de son tour. Qu'est-ce qu'il peut faire comme action Il peut se déplacer sur le plateau. Le plateau est construit de tuiles. Il peut retourner les tuiles qui ont commencé à être inondées pour empêcher qu'elles s'inondent, pour pouvoir circuler librement sur le plateau. On peut aller échanger une carte avec quelqu'un si on est sur le même espace. On peut aller chercher un artefact si on a quatre cartes de la même couleur et on est au bon endroit. Alors plusieurs actions différentes qu'on peut faire à notre tour pour essayer de gagner dans Forbidden Island. Vraiment simple pour commencer avec un système de points d'action. Et vous, quel est votre jeu favori qui utilise un système de points d'action Faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous du de vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de game.